Bonjour à tous, ouverture Box le boudoir du mois de juin. Il me semble que ce mois-ci, je vous avais mis le spoiler du bijou. Je ne vous avais pas montré le flyer, ça dépend d'un mois sur l'autre. Avant que je n'oublie justement pour la box de juillet, je préfère préparer dès maintenant vu la qualité de la box qui est actuellement en commande, la box de juillet, à ne surtout, surtout pas louper. Que ce soit juillet, août, septembre, je vous ai prévu du très très lourd. Et pour les personnes qui ne veulent pas attendre, vous pouvez m'envoyer un petit MP si vous voulez voir le spoiler de la box de juillet. Je vous enverrai une petite photo sans problème. Et pareil, avant que je n'oublie, vu qu'on arrive sur les périodes estivales de vacances, sachez que, d'ailleurs il y en a déjà qui ont commencé, vous pouvez vous faire livrer, vous m'envoyez un petit message si vous voulez être livré sur votre lieu de vacances, n'importe où. J'ai même des clientes, là, pour la box de juin, j'ai envoyé dans des hôtels. Dans différents hôtels en toute la France. Donc vous voyez, ça fonctionne très très bien. Mais sans plus attendre, on va commencer par le cadeau de la box Gold. C'est donc la marque Guapa Amparo ce mois-ci qui va vous offrir l'un de ses bijoux. On est pas mal bijoux en ce moment sur la box Gold. Hein. J'ai donc sélectionné un petit bijou, un bracelet hein, plus précisément, glissé dans ce petit pochon. La carte épurée, on aime beaucoup. C'est donc une fabrication en petite série à Amiens. Les bijoux sont sublime. Je vous invite vraiment à aller sur sa page, donc comme d'habitude tout est mis en barre d'infos de toutes les marques que vous allez retrouver dans cette édition. J'ai donc sélectionné le bracelet Akash. Je vais vous le montrer donc un petit peu plus près. Il est donc en laiton de haute qualité doré à l'or fin 24 carats, qui a même été doré par un doreur français. C'est donc une dorure extra résistante qui résiste au temps. Je vais reprendre parce qu'elle m'a mis des petites notes. À noter que tous les anneaux en bout de chaîne ont été soudés pour éviter toute perte et accroche par mes soins. Le pendentif martelé a été entièrement réalisé par mes soins également. Ah, un très très beau travail. Là, ce qu'elle a fait, les petites finitions comme ça, c'est le détail qui fait toute la différence. J'ai pas donné le prix, 85 euros ce bracelet. Bon, je l'ai vraiment pas serré, il est vraiment très très chic. J'adore l'éclat. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à choisir tellement là de très très belles choses. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette marque. Les personnes qui gagnent la box Gold, envoyez-moi une petite photo, même si vous voulez pas qu'on voit votre visage, que moi je puisse reposter. On commence. Le flyer, évidemment, est ici. J'adore. Très estival, hein. Regardez comme c'est beau. Un souffle de liberté, c'est le thème. Voilà. On va commencer par le bijou. Donc, si vous avez suivi, vous savez que j'ai intégré la marque L'Effet Coloré. C'est une marque que vous appréciez beaucoup. Elle a été notre box gold le mois précédent. Et on a souhaité, avec la créatrice, intégrer dans chacune des boxes un petit bijou qui, oui, il a été spoilé. Donc, certaines personnes savent ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est une bague dans cette petite boîte. Enfin, cette grosse boîte même. Et la créatrice, pour pas que la bague fasse un petit peu vide dans cette grande boîte, elle a rajouté vous allez voir un petit élément déco, super mignon. Il y avait différentes couleurs, je pense. Ouais. J'ai vu qu'il y avait différentes couleurs, du bleu, gris. J'ai déjà des personnes qui m'ont envoyé des photos de la bague portée, tellement jolie. Je vous ai même pas dit le nom. C'est donc la bague forcément réglable Lagon. La bague coûte 39 euros. Elle est en acier inoxydable, dorée à l'or fin 24 carats. Et c'est une petite pierre d'amazonite. En plus, elle est agréable à porter. Elle ne gêne pas. Voilà. Ah, c'est sympa aussi. À ce doigt. J'aime bien. Voilà. La bague Lagon offre un design gracieux et poétique. Elle est donc ornée d'une petite pierre, comme je le disais, d'amazonite ronde, dont la couleur bleue est mise en valeur par le lustre de l'or. Disons que ça fait un petit contraste qui ressort. Et c'est fabriqué donc en Gironde. La créatrice est en Gironde. Pareil, envoyez-moi des photos en me taguant, également la créatrice, des petites bagues portées. J'adore, franchement, j'adore et je reposte. On poursuit la découverte de la box avec, c'est un article en 3 ans, parce que oui, ma box donc a 3 ans, je vous l'ai peut-être dit, mais on est en juin, donc oui. Et je n'ai encore jamais mis de produit solaire, parce qu'en temps normal, c'est vrai que dans les box, quand avant j'étais présentatrice, que j'en présentais 10, 11 par mois, c'est pas ce que je préférais recevoir, et surtout ça ne correspondait pas à ma méthode d'application, dans le sens où quand je mettais une crème solaire pour le visage, moi je me maquille. J'aime me maquiller
tous les jours, c'est une habitude. Donc quand je mettais un produit solaire, bah, je pouvais pas me maquiller derrière parce que ça brillait, ça machin, enfin bon bref, c'était pas ouf. Mais là, je me suis dit c'est pas possible. Donc évidemment la marque me l'a envoyé, je l'ai testé et je l'ai testé avec ma routine. C'est-à-dire que je mets la crème, c'est, attention, c'est donc, peut-être que je vous montre la marque quand même, c'est donc la marque Midi 12. C'est une marque évidemment made in France et c'est une crème solaire 50+. C'est optimal. C'est water résistant et en fait très haute protection pour le visage, le cou. Moi je le mets également sur les bras. C'est un produit qui est également vegan. Et qu'est-ce qui a fait que je me suis décidée, que j'ai dit allez banco, je le mets dans la box parce que ce produit est vraiment génial. C'est que voilà, je vous ai dit, j'ai fait ma routine. J'ai commencé à le mettre. Donc je l'ai appliqué sur l'ensemble de mon visage. J'ai mis mon petit fond de teint. Je me suis maquillée comme je fais habituellement. Ben croyez-moi, c'est génial. C'est-à-dire que ça n'a pas brillé, ça n'a pas coulé. Ça a tenu toute la journée tout en me protégeant. Donc j'ai dit, ah ok, c'est génial. Topissime. Parce que je ne vais pas vous faire le débat sur il faut se protéger, mais même l'hiver, c'est toute l'année. Toute l'année. J'ai eu l'occasion dernièrement de rencontrer des dermatos, pas mal de personnes du milieu qui m'ont dit que c'était dingue. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des mélanomes et ça touche de plus en plus les jeunes. Donc il faut le plus possible mettre des protections solaires. C'est un petit tube, donc très pratique hein, à glisser dans son petit sac. L'odeur hyper subtile, très agréable. Je ne peux que vous le recommander. Bon, les personnes qui l'ont reçu, super, mais les personnes qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas commandé la box, franchement, foncez. Et ce soin coûte 24€. Coup de cœur pour cette marque. Le packaging déjà. Et regardez ce packaging. Beaucoup, beaucoup trop mignon. Les Nicettes. Petit panier, tellement joli. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Alors, ce sont des milliardises en paquet, donc individuel, protection. J'ai choisi des financiers aux amandes. Les personnes qui ont déjà goûté, là. Le financier. Dites-moi. Dites-moi réellement. L'onctuosité. On en parle ou pas? Donc, ce sont des petits financiers aux amandes. Il y a un panel très, très large. Pas mal de choses. Ils font aussi des produits chocolatés. Mais comme je vous disais, là, on évite hein, pour les périodes un peu chaudes. Mais croyez-moi, cette marque, on va revenir cet automne. On bosse ensemble, c'est sûr. Donc, à l'intérieur, il y a plusieurs petites milliardises. En fait, les Nicettes, c'est une marque qui travaille avec l'hôtellerie de prestige dans des très beaux hôtels, vous l'aurez compris. Donc, ça correspond complètement à ce que j'aime vous faire découvrir. Je sais pas vous, mais moi, la petite boîte, je vais la garder. Les mignardises coûtent 4,50€. Et je vous ai glissé le baume de l'été, le baume après solaire, le baume gourmand, le baume hyper fun. La marque True Cosmetics, c'est le baume No Stress, qui est en collaboration avec la marque Equilibre, donc qui a créé un petit baume, saveur kumquat. Tellement bon, mais surtout, à l'intérieur, vous avez, d'où le nom No Stress, vous avez du CBD. Il contient 40 mg de cannabidiol. Évidemment, il n'y a pas l'agent nocif à l'intérieur. C'est un produit qui est vegan, 100% vegan, 100% d'origine naturelle, fabriqué évidemment en France. Je l'adore. Le baume à lèvres CBD apaisant est idéal pour une utilisation après solaire, fruit d'une collaboration, comme je vous disais, avec la marque Equilibre. Dites adieu au stress. Pourquoi? Des ingrédients naturels qui chouchoutent vos lèvres en profondeur, les laisse douces, lisses et prêtes à briller. À appliquer autant de fois que nécessaire sur vos lèvres avec le petit applicateur labial spécialement conçu. Et en plus, il a un super fini. Donc voilà. Voilà le petit embout. Qu'est-ce que c'est gourmand? C'est très gourmand. Très très gourmand. Et en plus, grâce à ce baume, ça nous aidait à être plus zen. Alors, je trouvais ça très très sympa. Donc, après une exposition solaire, il est idéal. Pareil, hop, on vient le glisser dans son sac. Et c'est parti. Il est beau en plus, hein. Encore merci à la marque Guapa Amparo d'avoir été la box gold. Donc voilà, un petit tour rapide de l'ensemble de la sélection. Un souffle de liberté pour le solaire. J'ai vraiment tenu à l'intégrer en juin. Je trouve que c'était plus cohérent. De toute façon, on profitait vraiment tout l'été. Voilà, c'est tout pour la présentation de cette box. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le contenu vous aura plu. De toute façon, mettez-moi tout ça en commentaire. Et je le redis ici, les box qui arrivent juillet, août, septembre, de la folie. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.